Attention, le mémorial. En avant. Marche. Deux. Sur la marche. Mesdames et messieurs, la cérémonie va se dérouler entre quatre temps. Premier temps, lecture du message national de la Fédération de la France Civile. Lecture de l'appel du 18 juin par le colonel Achim Müller. Lecture du message ministériel par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture. Suivi du chant des partisans, dépôt de gerbes, aux morts, la Marseillaise. Après la Marseillaise, fin de cérémonie. Je vous remercie. Dans la Francine par M. Pierre Perret. Le 18 juin 2023, voici maintenant 83 ans, le général de Gaulle lançait depuis Londres l'appel que nous commémorons aujourd'hui. Entrer dans notre histoire, installé dans notre ring de commémoration mémorielle, cet appel à la résistance n'est pas pour autant réduit à cette dimension, car il demeure d'une brûlante actualité. L'Europe vit à présent avec une guerre à sa porte. Depuis l'agression de l'Ukraine par son puissant voisin et l'héroïque résistance qu'elle lui oppose, en dépit de l'inégalité des forces en présence, cette cruelle réalité a fait prendre conscience aux Européens de l'inadaptation de leur appareil de défense. Et notre pays ne fait pas exception. Le lourd investissement financier que crée cette situation n'aura de sens que si l'esprit qui animait l'appel du général de Gaulle et ceux qui répondirent présents, tant français libres que résistants de la première heure, demeurent. Dans cette période de difficultés intérieures, et d'incertitude pour notre pays, il est bon de se remémorer la formule gaullienne. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. De rappeler les valeurs pour lesquelles ceux que l'on a entendu ont accepté de s'engager et souvent se sacrifier. De porter comme eux un message d'union nationale et se rassembler plutôt que se désunir. Lecture de l'appel du 18 juin par M. Achim Müller, représentant des forces libres françaises, grand croix de la Légion d'honneur.
texte de l'appel du 18 juin 40 que j'ai entendu au Mademoiselle Natale de bouche à oreille parce que nous n'avions pas la radio étant couverte par celle de Sarrebruck dû au fait que les nazis faisaient en sorte que nous ne sachions pas qu'il existait un général de Gaulle, mais nous l'avons su. Voici le texte. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la technique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la technique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause, je vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendront à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Par M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture. juin 1940. Dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle aux Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans,
Le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire. Pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrêterait pas là, dans un dernier carré le soir d'une bataille, parmi des réfugiés épuisés par l'exode, au pied d'un char détruit se consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Seul et démuni de tout, sans armée, sans compagnon ou presque, arrivé la veille comme un naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, il sait qu'il faut continuer la lutte à tout prix pour qu'au jour de la victoire, la France ne soit pas ce pays vaincu de juin 1940. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique qui aurait pu lui faire rater son rendez-vous avec le destin de la France, mais certain pourtant de l'appui de Winston Churchill, il rédige son allocution. En moins de 400 mots ciselés, il s'adresse aux sentiments des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, l'appel pressant, le message sans équivoque. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sans doute, bien peu de Français l'entendirent ce 18 juin. Mais le lendemain, comme ce jour-là, le général parlerait à la radio de Londres. Faisant de ses ondes, même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, les fils qui rattacheraient les Français libres aux Français occupés, qui unirait les résistants à la France et à la République qui, hors du sol national, se maintenait. Très vite aussi, les échos de l'appel du 18 juin servirent de point de ralliement à ceux qui étaient déjà entrés dans la voie de la résistance ou s'apprêtaient à le faire, parfois sans l'avoir attendu, parfois sans l'avoir entendu, alors que tant d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée, faire que la France et des Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Ce fut fait. Et il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi, c'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'ombre. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir de France dans l'asservissement ni dans le déshonneur, qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France!
dépôt de gerbes par les autorités. Et à vous, surtout, Morgane, Morgane m'a dit, on va lui le bonjour, du moment que tu vas lui serrer la main. C'est bon, on va tenir un peu relax.
Thank you.
Les expositions des chefs de l'exécution.